Aujourd'hui, donc, ce vélo il est beaucoup plus stable que la version initiale. Ce vélo, en plus, pour moins de 2 euros, sachant que un autre frein de l'utilisation du vélo électrique, c'est son coût. Parce que pas moins de 1500 euros si on veut avoir un vélo acceptable. Aujourd'hui, mettre 1500 euros dans un vélo, c'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, on ne sait pas d'avance si ça va correspondre à notre mode de vie ou pas. Donc, avec 2 euros, même sur un mois, ça fait 60 euros. C'est à la portée du plus grand nombre. Ça permettra justement de vérifier est-ce que l'idée que je me faisais du déplacement en vélo correspond à ma vie de tous les jours, puisque le vélo, c'est dans sa proximité. Le vélo, c'est un outil que l'on s'approprie, c'est mon vélo. Donc, c'est 2 euros par jour, c'est vraiment acceptable et ça permet aussi d'apaiser aussi notre vision donc, du déplacement.